Je connais plein de gens qui fument. Il y a de la fumée partout. La Terre n'est pas une planète, c'est une cigarette. Et nous, aussi insignifiants que nous sommes, nous ne sommes que des cendres perdues dans l'univers, qui lui est un putain de cendrier. J'ai donc trouvé la solution à ce problème afin d'être comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai pris la décision de commencer à fumer. Alors je... Ah non Simba, tu commences pas hein. On ne fume pas à la maison. Ah ben j'en ai rien à foutre, moi je fais ce que je veux, ok. Tu sais comment ils sont les fumeurs. Ils sont tous là à dire, ouais alors un conseil, commence jamais, moi je fume, mais fais ce que je dis, et fais pas ce que je fais. Commence jamais hein, commence jamais. Alors tu sais j'en connais plein qui me disent, non mais attends mais tu te rends pas compte comment c'est compliqué d'arrêter de fumer, je veux dire, j'essaye et pourtant j'y arrive pas. Tu vois, là tu vois c'est mon corps qui m'oblige à le faire, tu vois. Là c'est pas moi là, ok. Là non plus c'est pas moi. Mais là c'est pas moi, c'est mon corps qui m'oblige. Ah, attention, attention, je traîne ma bite. Eh ben crois-moi que c'est tout aussi difficile de commencer. Déjà quand t'allumes ta première cigarette, t'as trop l'impression que ça va être comme ça. Alors qu'en vrai, c'est quand même un peu plus galère. Ok. Ah, ça va pas le faire, non. Non, vraiment, c'est compliqué de devenir un fumeur. Pourtant, je fais des efforts, hein. Je veux dire, je fume 3 à 4 clubs par jour pour m'habituer. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Je veux dire, je sais pas, rien que l'odeur. Non ! Quand je vois un fumeur qui fume ses cigarettes au calme, je me dis, mais comment il a fait pour arriver à ce stade où il apprécie autant la cigarette ? Eh bah écoute, mon petit Juju, tu vois, à force de fumer des cigarettes tous les jours, bah j'ai l'habitude. Et du coup, ça me fait plus rien. Du coup, ce que je fais, c'est que je les mange. Tu veux goûter ? Dommage. Bon, bah, manque un peu de sel. En plus, quand je fume une cigarette, bah, je tousse. Ça me brûle. Y'a des mecs qui peuvent te fumer un paquet entier avec une pipe et une chicha en même temps sans te lâcher un... C'est pas possible. Ces mecs-là, je sais pas, ils ont pas une gorge. À la place, ils ont une cheminée. Bien le bonjour, c'est bien vous qui avez appelé un ramoneur? Ouais, effectivement, c'est pour ma gorge. Très bien. Mettez-vous à genoux et ouvrez bien grand la bouche. Ah. Ouh là 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 là, bah c'est bien noir tout ça. Qu'avez-vous donc fait? Leur gorge, c'est tellement une cheminée qu'à chaque fête de Noël, y'a un Père Noël qui sort par là. Hou hou hou. Bah, Père Noël, vous sortez d'où comme ça? De la gorge de ta maman. Alors pour commencer à fumer, j'ai une technique. En fait, je fais l'inverse de ceux qui essaient d'arrêter. En gros, j'essaie de fumer de plus en plus de clopes. Au début, je commence avec une clope par jour pendant une semaine. Ensuite, la semaine d'après, je monte à 2 clopes par jour, jusqu'à ce que j'atteigne 5 à 6 clopes par jour. Et déjà là, c'est énorme. 5 clopes par jour, tu trouves ça énorme? Petit joueur. Manque un peu de sel. Il est vrai que 5 à 6 clubs par jour, c'est rien comparé à ceux qui fument 1 à 2 paquets par jour. 2 paquets! Attention les enfants, calcul mental. Dans un paquet, il y a 20 cigarettes. x 2 égale 40 cigarettes par jour. Dans une semaine, il y a 7 jours. 7 fois 40 cigarettes par jour, ça fait 240 cigarettes la semaine. Dans une année, il y a 52 semaines environ. Donc, 52 fois 240 cigarettes, ce qui donne environ 12 480 cigarettes par an. Multiplié par le cancer égale moins 2 poumons. Alors ceux qui fument 5 à 7 cigarettes par jour, tu vois, ils prennent le temps de s'organiser pour fumer durant la journée. Mais les mecs qui fument 2 paquets par jour, c'est à quel moment que vous ne fumez pas ? Non mais t'as vu aussi le prix d'un paquet de clopes, comment c'est cher ! Le pire dans tout ça, c'est ceux qui achètent jamais de cigarettes, mais qui vont aller gratter chez les autres. Ah, fais chier. Excuse-moi, t'avais pas une cigarette, s'il te plaît ? Non. Sérieux, là, je viens de voir, t'as une cigarette dans le paquet, là. Non, non, écoutez, je vous dis que j'ai pas de cigarette, ok ? C'est bon. Eh, hey, la vie de ma mère, je vais t'enculer ! Montre-moi ta cigarette, je t'ai dit, mec ! Non, arrêtez, j'ai pas de cigarette, je vous dis, j'ai pas de cigarette ! Oh, t'es fou, mec, je vais m'énerver ! Laissez-moi tranquille ! Oh, passe la cigarette, fils de pute, va ! Excuse-moi, t'aurais pas une cigarette, s'il te plaît? Après, quand tu commences à fumer, j'ai constaté qu'il est quand même beaucoup plus facile d'engager une conversation avec un autre fumeur, effectivement. Ouais, excuse-moi frère, t'aurais pas une cigarette, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Tiens.
Merci hein. Sinon tu fais quoi dans la vie? Moi je fais des vidéos sur YouTube. Ah, ok. Non mais tu fais quoi dans la vie? Des vidéos sur YouTube. Non mais concrètement tu fais quoi dans la vie? Des vidéos sur... Non mais j'ai compris que tu fais des vidéos sur YouTube, c'est bon là. Moi je te demande juste tu fais quoi dans la vie là? Tu veux du feu? Ok, les conversations c'est pas toujours ce que tu espérais avoir, mais voilà. Au moins quand t'as deux fumeurs qui se croisent, il y a une discussion qui se crée. Alors que en tant que non-fumeur, d'engager une conversation avec un autre non-fumeur, c'est quand même un peu plus compliqué. Excuse-moi mon pote, t'aurais pas une clope? Désolé mon gars, mais je fume pas. Oh ça tombe bien, moi non plus. Alors pourquoi tu me demandes si j'ai des cigarettes? Parce que c'est mon seul moyen d'avoir une relation sociale. Ok, tu sais quoi, du coup je vais partir par là. Ça tombe bien, moi aussi je devais aller à la gare. Non, en fait je me suis trompé, c'est par là que je dois y aller. Mais moi aussi j'arrive mon pote. Ok. On est amis pour la vie. Je sais pas, vous pouvez me lâcher? Non. D'accord. Bref, sincèrement, je vois pas vraiment l'intérêt de fumer, étant donné que ça pue, que ça coûte cher, et que c'est très mauvais pour la santé. Mais comme beaucoup de fumeurs le disent, et qui est pour moi quand même un très bon argument, c'est... Oh, tu sais, il faut bien mourir de quelque chose un jour, hein. Mais ils ont totalement raison, les gars! Si leur choix, c'est de bousiller leurs poumons durant leur courte vie, tout en prenant le risque de mourir plus vite, en souffrant de... Encore une petite dernière. Bah c'est leur problème. Ah et d'ailleurs, je suis pas un vrai fumeur et j'ai jamais commencé. La clope, je la remets là-dedans. Je prends ma poubelle et... Hasta la vista! On a de la chance d'être en bonne santé, donc essayez de préserver ça. C'est super important. Gros bisous à tous, je vous aime fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! La cigarette? Non, seulement ça tue. Mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots.